19 mois depuis que des assassins colombiens employés, payés par et des mouns qui ont placé dans le gouvernement haïtien, dans la société haïtienne, et il y a d'autres gens qui même pensaient que il y a des gros mains, des gros têtes qui, soi-disant, ou bien peut-être t'es au courant, mais pas de dire, pas de fin, parce que l'amour ça tape dans l'intérêt. Maintenant, merci pour l'occasion que nous avons moins pour moi et refixer position qui est toujours maintenant pas changé, même là nous avons des mouvements qui a fait au niveau de la justice américaine ce dossier ça. D'abord, pas oublier que nous t'ai dit que faut toute option yo sous table. Que c'est ça ce dit là tout à l'heure. Des informations qui sortent depuis un avril dans la République dominicaine qui dit que gagne 20 millions de dollars américains qui est passé et sous territoire dominicain ou bien un système bancaire dominicain pour venir assassiner Jovenel Moïse. Faut enquête dans là. Et je ne sais pas si c'est enquête américaine ou bien enquête haïtienne, même besoin qu'on a. Et nous, ni la justice haïtienne ni la justice américaine peut aller dans ça. Nous ne pouvons pas ça. Et tout observer ce tableau-là, il y a des gens qui pensaient que Jovenel mourir au moment côté que l'État fait pile mouvement pour te rapprocher de certains pays, dont la Turquie et la Russie, le Venezuela. Et pas oublier que le mourir environ 2 semaines à 2 semaines et demie après que le sorti en Turquie. Non, bagaille que vous ne pas comprendre. Nous ne pouvons pas comprendre que. Qui rapport que nous avons suffisamment avec la Russie pour avec la Turquie pour nous donner une sorte de forum et ce moment qui a été inventé. Donc, et vous estimez que c'est un moyen que Jovenel Moïse a créé pour te faire un rapprochement vers la Russie et la Turquie, Venezuela, tout, parce que monde qui proche Jovenel dit que il dit que lui ouais, et malgré ça le fait comme allié américain contre Venezuela et malgré position toujours gagné et n'a contre des pays frères et dit ouais que et la communauté internationale en particulier les États-Unis c'est comme si m'a dit à passer de l'invisible faut les sauver et faut les jouer le moyen et politique maintenant c'est dans ce sens ça nous ouais que tu as un rapport diplomatique qui te prend bah, qui t'est établi entre Haïti et la Russie ont paquet l'autre activité de janvier à juin 2021, ensemble de actions de rapprochement qui est fait par le président Jovenel Moïse vis-à-vis de pays, ça a une société la guerre, qui pensait que donc pour des raisons géopolitiques, le président Jovenel Moïse n'a qu'à assassiner. Il dit tout, faut ne pas oublier que M. Tegan pile ennemi des mondes qui ont gagné des contrats multimillionnaires. Et puis, il y a des intérêts pour assassiner. Et nous connaissons des interventions que Jovenel Moïse a fait, par exemple, la question APN. Il y a des gens qui étaient doués à APN, environ 18 millions de dollars depuis 2003-2004. Ils étaient préférés prendre comme ça, au lieu de APN, puis aller faire GNB pour j'étais jamais être Aristide. Et c'est pendant le carnaval Port-de-Paix. Dans les prisons journalistes, tu as annoncé ça que les gens ont décidé de venir payer, ils ont fait action contre eux. Il y a des gens qui étaient doués, l'État haïtien, et puis qui viennent payer 700 millions de gouttes d'un seul coup. C'est des gens que si ce n'est pas action que nous autres, par exemple, avocats de l'État, nous avons fait, si ce n'est pas direction ça que Jovenel Moïse a fait, eh bien, ils n'ont pas besoin de venir payer l'État. Il y a un paquet d'exemples que nous sommes capables de citer, et nous connaissons, et qui des autres qui ont gagné dans la question. Et les gens qui ont fait l'argent dans le Vendetta courant, par exemple, et leur prend iTrack qui juste qui a fait courant Tigouave avec Okai, 1 million de dollars par mois, et puis qui fait plusieurs années que pas fait courant, c'est DDL qu'on a acheté pour mettre gaz à donner, ça coûte ça l'État haïtien va te faire. Mais les gens qui ont fait mettre l'État haïtien l'argent, il y a des actions qui entreprennent pour ça. Et sans que nous n'ayons pas besoin d'entrer dans question sous général que tout le monde connaît. Et je vous dis à la 54 millions, pas 54 encore, c'est 58 millions, parce que chaque mois, il y a 1,4 à 1,5 millions de dollars, négociés à
et que l'État est payé parce que vous avez courant, que pas de courant, là où tu es dans le contrat, là où tu as exercé, là où tu es dans le contrat. Et vous avez toujours joué l'argent ça dans l'État haïtien. Donc, c'est des bagailles qui font penser que il y a des gens dans le secteur privé. Nous ne pas dire yes, non, même. Il y a des gens qui sont dans le secteur privé qui ont intérêt et assassiner Jovenel. Et il y a des gens dans le secteur politique là tout. Et qui pensaient que Jovenel, ce n'était pas l'homme. Même secteur politique là, que le PHTK, que le TNDO PHTK, Jovenel avait des ennemis. Et de fait, dans le monde, nous, ouais, et qui n'a dossier ça, soit à travers. Rapport nous de CPJ fait avec le FBI pour la justice haïtienne et qui aux États-Unis tout nous c'est que dans tout secteur dans secteur la justice secteur politique secteur religieux donc Jovenel pas assez pour le mourir si nous besoin nous-mêmes la vérité comme citoyens parce que nous toujours dit que crime ça c'est pas seulement on moun nou bon président mourir mais son attaque contre faut enquête là aller dans toute direction ça yo et malheureusement il y a des gens qui pensaient que le mouvement qu'a fait dans la justice américaine a gagné pour objectif pour bailler la vérité là dit nous faut pas tromper nous c'est peut-être une vérité parce que la dame dit que toute option de sur table là toute piste yo on ne pas oublier que crime ça a planifié aux États-Unis par trois citoyens américains les immigrants qui viennent citoyens américains, c'est Arcangel Pretel Ortiz, Antonio Anteago avec Walter Mantevilla. Mais, dans le même temps, tout, il y a Arcangel Pretel qui est un gars qui travaille pour dire avec FBI, l'armée colombienne. Et dernière information que nous avons, là, c'est que monsieur, dans le moment assassinat Jovenel, là, il était toujours travaillé comme agent service d'intelligence américaine. Et CTU, qui c'est compagnie sécurité, ça a été pour venir assassiner Jovenel là, a fonctionné jusqu'à présent. Ça t'a de considérer comme organisation terroriste. Moun ça a dit là, en particulier à Kandjal Brittel, l'a marché dans Miami. En décembre, en octobre de l'année dernière, il a gagné rendez-vous dans le tribunal pour contravention, le prend. Donc, pour qui ça la justice américaine pas jamais dit rien à Moun ça? Il y a l'autre encore agent, Moun qui travaille au plus haut niveau. Dans l'administration américaine qui joue criminel les Colombiens engagés les criminels engagés c'est eux mêmes aux États-Unis après les pour dire faire route pour eux ça va passer là et ça que t'es planifié donc faut nous comprendre faut lumière faire tout ça ça fait deuxième élément non point de vue c'est que faut que la communauté internationale en particulier les États-Unis ils clarifient position d'ailleurs Monsieur Salah était venu à la Coupe Cajou, aux États-Unis, il faut me dire que sûr, il vient de dire une opération d'hier à minuit 1h du matin. Et l'autre bagarre là, il faut que le gouvernement haïtien retire discrédit ça sous lui parce que les plus hautes sphères du gouvernement haïtien et de la société haïtienne, bien entendu, t'es participé dans le crime. Non. Un pour exemple, depuis le dossier Salah existait aux États-Unis, le gouvernement haïtien n'a parlé aucun monde. Qui représentait le tribunal, et qui n'a pas d'intérêt. Or, il s'agissait d'un président haïtien et de yon atteint contre la souveraineté pays. Non. Ça ne pa veut dire rien pour mon gars diriger là, parce que je viens de mourir déjà. Deuxièmement, gagner des mouns qui n'ont prison ici, que la justice haïtienne déjà attendait. Certainement, je comprends que la coopération entre deux systèmes est capable de gagner et. Coopération, capable de gagner et échanger d'informations, même et extradition. Mais maintenant, ça crivé. Qui j'ai fait dans la bouche, ministère justice américain, m'attendais ça. Pas même qu'on communiqué du gouvernement haïtien qui vous dit maintenant qui date. Je t'ai écrit au moment de ça, mais pour qui ça vous fait ça? C'est d'abord pas respecter nous comme citoyens, vous pas respecter tête comme monde qui a. Puis c'est autorité haïtienne. Bon, nous dit clairement que c'est des mondes qui c'est fonctionnaires de l'international et plus encore, ils semblent des espions. Ils savent qui fait mal. Vous voyez des gens qui dirigent le pays comme si c'est des espions internationaux là, oui. Et c'est celle-là qui a fait international la plaisir qui est important pour eux. Et mais ça, c'est une question de bon sens. On va comme ça passer. C'est les 20 levé au matin, nous tendez, il y a transféré, il y a allé et il y a arrivé. Nous parlons pour ça. Par exemple, nous t'as poursuivre ça, non? Pour
Ouais, ça, non, tu es risqué par devant la justice haïtienne pour le faire toute ville en prison. Mais aux États-Unis, seulement 20 ans de prison, qu'après. Par contre, si nous, ouais, et. Maintenant, ça qui est fondamental, est-ce que toute action, ça va mener vers les auteurs intellectuels de ce crime? Ça veut dire que Moon, qui t'est payé, qui est-ce qui t'a gagné intérêt, qui fait toute opération, par exemple, Walter Bentemia, qui soi-disant t'est payé pour recruter. Bandit pour vin, tout est Jovenel, on a qui businessman. Mais faut comprendre qui est-ce qui était derrière. Même si elle a la marche aux États-Unis. Donc c'est des mondes qui sont des agents de système intelligence américain. Donc nous pas dit que pour Arcangel Pretel, par exemple, pendant l'été, dans le moment, l'été toujours agent, nous pas dit que l'autre était reçu pour l'assassinat Jovenel, mais faut que tu aies une explication sur ça. Il y a un rappel que y a Antonio Triago. Qui c'est une propriété de City ou en Haïti, quelques jours avant que je vienne mourir, et puis l'avocat dit que l'Italie, même à l'ambassade américaine, pour venir dire ça, vient faire. Et moi, ça a marché Miami, et sans. Et qu'est-ce que c'était? Donc, on ne peut pas ici en comprendre que et, tout ça qui a fait dans le dossier au niveau international, ce n'est pas dans l'esprit ou dans les intérêts, ou dans l'intérêt de la vérité, mais c'est dans l'intérêt monde ou un pays qui a fait la dernière fois qu'on a fait. Et faire comprendre, c'est que nous, mouvement, et pendant un an, on a dit, constante dans le dossier, ça, qui dès le début, c'est une campagne de diversion qu'a faite pour trouver la vérité. Par exemple, immédiatement après l'assassinat, il y a un journal colombien qui dit que c'est Claude Joseph, un journal colombien qui est les Noticias Caracol. Et puis, nous gagnons après New York Times qui dit que c'est des gens qui deviennent chercher. On lit ce qui est non, on dit les drogues. Même là, il y a 20 millions de gens la donne pour faire toute opération ça, pour venir chercher une liste. L'autre jour, quand il y a entendu, mais amiral dit que son corps qui est là, qu'à Jovenel, et il y a une bras. Et nous parler de question l'argent passe en République dominicaine. Et gagner non, il y a arrêté qui dit eux-mêmes, c'est. Coup d'État, ils viennent faire, ils viennent prendre pouvoir pour changer le pays. Emmanuel Zanon et autres. Donc, gagner une campagne de diversion. Là, nous prenons le journal Le Monde depuis en janvier 2022. Les mêmes ont dit que cette affaire de ZAM, et non, il a parlé, ou bien liste marchandises de drogue, marchandises de ZAM, non, pas de bagaille comme ça. Il y a l'autre journal, m'appelait tout, qui dit que FOC, CIA, t'as pas explication parce que c'est pour des raisons, pour des décisions, des raisons géopolitiques, je viens de t'amour. Donc, faut me comprendre, c'est pas un bagaille qui est fait par des moun fou. C'est un crime assassinat en président et qui gon paquet mais la donne. Donc, dis-nous à bon port, nous ne sommes nulle part. Ni en Haïti, ma proche dans des États-Unis, aux États-Unis, d'abord en Haïti, le système est tellement faible. Et les gens qui ont assassiné Jovenel, mais qui ont intérêt à assassiner, il n'y a pas même qu'on ait passé pour assassiner Jovenel, mais il y a intérêt là-dedans, là, je veux dire. Donc il n'y a pas d'intérêt pour Jovenel jouer une justice. Donc les gens, ça, ils ont fait tout ça qui est possible pour bloquer le dossier. Et puis on a parlé de justice pour Jovenel. Nous toujours dénoncer ça nous un assassinat permanent de Jovenel. Nous allons prendre question de la justice là. Qu'est-ce que moi Jovenel t'a parlé de par exemple Lila le rêve assassiné. Moi t'a dit Jovenel qu'est-ce que il était voulu faire. T'es même gagné à travers avec les caravanes. Il y a moun qui juste dans Marie, moun qui juste dans grand dans c'est dit ouais monsieur, t'es gagné qui t'a fait dans quatre caravanes. Il y a qui dit dans l'opposition ou tu pas bien fait. Il n'y a pas de qualité, eh bien, il a commencé à craser. Depuis là, il a fini par craser, mais quand il a pris le pouvoir, pourquoi ça n'a pas bouché tout? Pour ça n'a pas arrangé tout ça. Gagner 60 MW courant dans le Carrefour, c'est usine, ou bien c'est Pral et Central qui t'a dû plus courant dans le pays. Mais depuis, avant Jovenel Moïse, il va l'inaugurer un mois avant l'inauguration, route Carrefour Matisse en est bloquée. Nan zam kap tire, sa pa jan moun fèt. Pou ki sa ou mwen pou moun ka fou, yo pa mette sentral za
en fonction. Donc, comme si je voulais volonté, tout ça, c'est un Jovenel là-dedans. Or, Jovenel, ce n'est pas l'argent pâle qui était fait central ça. Ou pas les caravanes qui parlent, ce n'est pas l'argent pâle, c'est l'argent nous. Pour qui ça, depuis Jovenel Moïse? Nous pas jamais entendu annoncer un millimètre. Je ne dis pas maintenant, je ne dis pas un centimètre, un millimètre de route faite dans le pays. Pour, est-ce que c'est comme qui va gagner? Tout le monde a cherché pour voir pour gagner l'argent. Le ministère des Travaux publics, même yon trou pas bouché dans le pays. Pendant que, il a dit que Jovenel c'était le mal absolu. Moi-même, ce n'est pas en raison de Jovenel. J'ai vécu ça, mon plus grand, mon campé, j'ai un garçon qui était en bas, qui n'est pas ça. Moi, j'ai fait ça sur Aristide. Je lui ai dit que dans 48 heures depuis Aristide a allé, a eu sécurité tout côté dans le pays. Il a dit ça à tout ce Jovenel. Il y a des gens qui dit dans 48 heures, puis le pays a tourné définitivement en enfer. Pas même en enfer. C'est ça, nous, il est l'antichambre de la mort. Tout le monde qui est dans le pays là est en train de la mort. Donc, on dit que dossier. Donc, son assassinat, excusez-moi, l'assassinat permanent. Mais je dis, il y a tellement de force dans le pays, ni au niveau judiciaire, ni au niveau politique, il a bloqué le dossier. Mais maintenant, au niveau international, je dis là, dans la direction américaine, on va aller là, justice américaine, non, c'est à faire par rapport à régler. Par exemple, il a été appliqué le 28 avril, il m'a dit appliquer une loi que le CIPA, c'est Classified Information Procedures Act. Ça veut dire que des informations, des documents qui ne peuvent jamais rendre public dans le cadre de CIA, même à la défense. Parce qu'il s'agit de la sécurité intérieure des États-Unis. Ça, vous dites très clairement. Mais qui est-ce? Qui rapporte sécurité intérieure des États-Unis avec assassinat de Jovenel dans la condition ça, alors que j'étais plus gouallier et Jovenel était passé le dernier? Donc, même là encore, et la vérité sera et pas seulement tortier, mais la vérité pral suivre yon route, yon dit sinueuse, et la vérité pral, yon pral ben la vérité, yon pral couber la vérité, même là, yon va dire yon bagay dans le dossier aux États-Unis, ce sera leur vérité, mais ce ne sera pas la vérité. Donc, dans les deux sens, nous capables de dire que dossier, pas avancé, j'en pense la vraie, c'est intérêt et seulement qui a servi, parce que si pas des intérêts vrais dans ces agents pour le monde, faut au moins attendre yo des gens qui ont des intérêts dans assassiner Jovenel Moïse, ni ici ni l'autre bord. Et aux États-Unis, des gens qui ont participé dans le complot aux États-Unis, yo pas dit rien pour y a marché des Américains qui parce qu'ils fait travail pour le système américain, pour le gouvernement américain. Et pour qui ça, je dis à juge haïtien pas jamais demandé pour que gagner une coopération pour un juge ou la justice dominicaine et de ramasser information sur ça qui t'est passé en République dominicaine, pas même parce que vous avez dit 20 millions de dollars qui t'est passé là-bas, non, parce que c'est le dernier côté que vous avez passé avant de venir assassiner Jovenel. Donc il y a des éléments au cas là. On dit que